Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de notre découverte sur Exoplanet First Contact, dans le bon ordre, alors que j'ai un bel écran noir. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait pareil quand j'ai lancé le record. Ok, je vais reprendre de là du coup. Je ferai une coupure. Salut les loulous! C'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de notre découverte sur Exoplanet First Contact, qui s'annonçait plutôt cool. Je n'ai plus mon arme d'équipée. Hop, je la reprends, mon petit couteau. Parce que là, on a une bestiole moche qu'on va tuer de suite. Et on va explorer donc du coup. Cette partie-là, worker bug. Ah tiens, je connaissais pas, fallait que je le scanne. Bon, tant pis. On va explorer ce côté-ci. Alors, je trouve que la nuit est un peu trop longue à mon goût. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a plein de trucs ici. Il y a une boîte. Oh! Oh la vache! Il y a un feu de camp. Il y a du whisky. Rusty. Oh, je pense que c'est un gun. Je le connaissais déjà, hein, le truc de cette créature, mais bon. Take all ici. Take all là. On a ouvert ça. On est plutôt pas mal là. Alors, on a eu plein, plein de choses. Maintenant, à voir si ce sont des choses intéressantes ou pas. Sinon, on va scrap. Donc ça, déjà, on peut. Ça, par contre, c'est top. Comment j'équipe? Double clic gauche. On a un pantalon de l'enfer qui est plutôt cool. C'est plutôt un short d'ailleurs. Alors par contre, quand les stats sont négatives, c'est bizarre parce que ça nous indique pas 2, 3, 4. Là, c'est 2, 3. Ouais, je sais pas. Ça, c'est la même chose. Ensuite, on a ceci qui est moins bien, ceci qui est moins bien. On a une pelle. Voilà, daze aussi. Je ne peux pas la daze. On va daze ça. On en trouve plein. On a un chapeau de cowboy. Un autre. Qui nous. On perd un de blunt, mais on gagne un de piercing, un de slash. Et en diplomatie, on perd un. Alors, est-ce qu'on passe vraiment à moins un ou on reste à zéro? Parce qu'on était de base à zéro. J'aurais tendance à dire. Ah non, on est. Ah, c'est lui qui nous donne le plus en diplomatie. On va garder celui-là qu'on a. Du coup, celui-là, on le daise. Et puis, on a eu beaucoup de choses. Qui arrive au Dead Bandit. Ok, on a gagné de l'XP à lire la note. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt cool. On a des mechanical scrap. Donc, on a eu du whisky. On a une espèce d'équivalent de canette de soda. Et on a donc ce flingue. Équipé, modifié. Donc il fait que du piercing. Pas de blocage. Logique en même temps. C'est une arme. C'est un pistolet. Je vois pas comment on pourrait bloquer avec. Est-ce qu'on a l'info des munitions que ça utilise? Ammo type du 45. Et nous, sur nous, on a du 26,5 et du 45. Ah, on en a 77. Alors là, j'avoue, on va mettre ça en raccourci clavier. Ici.
Voilà. Du coup, logiquement, si j'ai bien fait mon travail, en 1, j'ai mon couteau. En 2, j'ai le gun. Chargeur de 6. Et une bière ici. Mais prenons la bière. Il y a un autre gun. Il y a plein de loot, hein. Incroyable, cette zone. Incroyable. Bon. Ici, on a du moche. Ouf. Ah ouais, je suis en train de me faire défoncer. Ah bah, je suis mort. Ah, j'avais un saignement. Ah ouais, les créatures de l'enfer en fait. Je reprends l'autosave. Ah ouais, elle m'a fait une charge. Ça m'a un peu stunlock et elle m'a enchaîné d'une force. Waouh! Ok, donc j'ai une save ici. Qu'est-ce que j'avais récupéré et pas récupéré? J'ai le gun d'équipé. J'avais pas pris le deuxième gun. En plus, ils ont un nombre de PV. Ok, il y en a trois. Hein. T'as les balles, ça va défiler, hein. Alors je sais pas si le critique, c'est une chance qu'on a de faire un critique ou si créature non identifiée, ah ouais niveau 4 quand même, hein. Ou si faut toucher une partie du corps, bien précise. Je ne sais pas. En tout cas, elle rigole quand même un peu zéro celle-là. Donc je pense qu'on va pas du tout au bon endroit pour la ville. Enfin, ça me paraît. Le chemin me paraît bizarre ici. Il y a du cristal là. À première vue, ça se farme pas. Donc méfiance avec ces bestioles-là. Oh. Comment je sais si c'est des gentils ou des méchants, ça? Ça a pas l'air d'être des gentils, hein. Dust Devil Guard. Arrête-toi là. Je m'excuse si je vous ai offensé. Tu sais où est ta place, c'est bien. Donc tu es autorisé à rentrer dans le camp, mais tu dois je sais pas quoi, sinon tu meurs. Tu vas parler avec notre chef, Ftanga. Ok, je vais vous laisser tranquille pour l'instant. Excusez-moi, voilà. Hein. Ils ont pas l'air très accueillants, même s'ils m'autorisent à rentrer. Je m'en suis pris plein la tronche il y a juste 2 minutes là par des insectes, alors ça va aller, hein. Des insectes de l'enfer. Hein. Oh, un corps avec du tissu. Et encore un corps ici. Ah non, c'est pas un corps. C'est une plante. Une plante généreuse, ma foi.
Oh, on a un coffre là, carrément. Ouais, avec un... Oula! Ah, on t'a attrapé! Tu vas devenir un esclave. Ok. C'était un piège, le coffre. L'humain le plus stupide n'a pas fait gaffe au piège. Diplomatie, je peux pas. J'ai pas trop le choix en fait. Je vais pas m'attaquer à eux, je suis tout seul contre trois. Il veut 100... Alors, Rusty Nails. Ah, le mec que je suis en train d'aider, ils veulent l'attraper. Et si on l'aide à l'attraper, à lui tendre un piège, ils nous donneront de l'argent. En plus, sur votre tribu. D'accord, c'est des... En fait, c'est des esclavagistes, quoi. Ok, bon. Ça va, ils sont pas plus énervés que ça. Il tape sur quoi? Ah, il tape les petits insectes, d'accord. Bon, du coup, on est revenu ici. On va aller voir de l'autre côté. Ah, il y a ça, mais j'arrive pas à avoir l'option pour attraper le truc qui est sur la table, là. Alors, est-ce qu'il faut passer dans la grotte? Est-ce qu'il faut contourner? J'en ai pas la moindre idée. Une pelle encore. Qu'est-ce que je vais faire de... Les pelles, je vais les jeter. Est-ce qu'on peut discard? Alors si on peut, je vois pas comment. Il y a l'air d'avoir un truc là-haut, là, on va aller voir. Et encore ces créatures de l'enfer. On va faire une petite sauvegarde, vu qu'à première vue on peut sauvegarder quand on veut. Save. Yes. C'est good? Ça a l'air good. Je sauvegardais. Non mais c'est quoi ces bestioles de l'enfer en fait? Bah, j'ai bien fait de sauvegarder hein. Putain mais la vache quoi. Putain elle me trichote quoi. Avec saignement et tout à chaque fois. C'est pas la même en plus, celle-là je la connais pas. Waouh. Bon je crois que ça va être gun à chaque rencontre hein, maintenant parce que... Par contre, si je clique pas, ça marchera pas pour charger la partie. Bon, bah, deuxième mort, ça va, on enchaîne. Hein. On enchaîne. Alors, du coup, c'est on pense en main. Et on va se faire à distance. Hein.
Alors ça commence bien. Pourquoi ça a pas touché? Ah. Recharge. C'est buggé. Ouais, je vais reprendre ma save. Je sais pas, c'est la moitié des balles touche pas en fait. C'est pas comme si j'étais pas sur le. Sur le la bestiole, hein. On est quasi au corps à corps, donc je peux difficilement le louper quand même. C'est très bizarre. Alors, est-ce que c'est sa carapace? C'est possible. Bah, si c'est ça, on va pas aller l'emmerder en fait, hein. Là, j'avoue, je comprends pas. Donc, eh bien, tant pis. Lui, on va pas aller lui chatouiller les oreilles. Ah non, mais c'est buggé en fait. Enfin. Bah, je suis sur la cible, ça touche pas quoi. Juvénile crocasse. Wooden club, wooden club. Par contre, les balles, je vais pas en avoir à l'infini en fait. Qu'est-ce qu'on a là? C'est une caisse, ça? Ça ressemble à un coffre-caisse, mais pas du tout. On dirait que je suis déjà passé ici. I need a pickaxe to mine. J'ai pas de pioche. Et je peux pas m'en crafter une. Donc il y a du farming de ressources. Ok, il y en avait bien deux. Il y en a même un troisième. Ah, eux, c'est vraiment les bestioles de départ. Ça passe plus ou moins bien. Pour se battre avec. Je sais pas si elles ont respawn. Parce qu'il y avait déjà, j'en avais déjà tué trois ici. Et ça, c'est un coup à se bloquer ou je sais pas quoi. Donc, ici, c'est un cul-de-sac. J'arrive moi-même de par là. Est-ce que je peux faire ça du coup?
Non, ça marche pas. Pourquoi ils nous mettent en surbrillance ce truc si on peut pas le... tirer dessus, donc j'ai gaspillé 3 balles. Il me reste 9 balles, hein. Tout va bien. J'en avais 70 quand même. On n'est pas dans la mouise. Qu'est-ce que tu vends, toi, en fait? J'ai pas regardé. Alors, il vend des balles, mais c'est pas les balles que j'ai besoin. Et est-ce qu'on peut... Alors, il y a Jark Sharp. Shop. Donc ça, c'est mon argent. Ça, c'est l'argent de la boutique. Sell. Ah, j'ai encore 39 balles. Ah bah je peux revendre ça à la rigueur. Je vais revendre ça. On va revendre ça. Ça c'est quoi ça? Bandana rouge. J'ai des items de d'équipement que j'ai pas regardé là. Les flare guns, on s'en fiche. Ok. Du coup, inventaire, ça c'est... Je peux l'équiper et ça, je peux l'équiper aussi. Bah voilà, ça fait des stats en plus. C'est pas mal. Ça, on pourrait peut-être leur vendre, mais est-ce qu'il aura assez de thunes en fait? Ah, je peux pas le revendre. Du coup, je vais revendre ça. Et je vais revendre ça aussi. Parfait. Bon, bah on est reparti. Alors par contre, je sais vraiment pas où aller. Hein. Ouais, encore une créature de l'enfer. On va aller par là, on va faire une sauvegarde. Et on va aller par là, parce que je vois pas d'autre chemin sinon après. Donc ici, sauvegarde. Sauvegarde les loulous. Yes! Et donc on va passer ici. On peut toujours aller voir là-haut. Il y a de la bestiole, hein, une fois encore. Comment ça s'appelle ça déjà là? Ça porte un nom. Ça me revient pas, mais... Bon, y a rien à trouver. Un cairn, voilà. Un cairn. Ah, je crois que c'est ça. Bon, lui on laisse tranquille, hein, parce que sinon on va mourir. Là, il y a du minage à faire, mais je ne peux pas. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Il y a un cadenas. Mais il n'y a pas d'interaction possible. Oh, il y a une pioche! Bah, parfait! Assigné. On va le mettre en 3. On va pouvoir farmer les loulous. Impeccable. Même sur ce jeu, je vais casser du caillou. C'est incroyable. Je suis refait, quoi. Donc on récupère des éclats d'antigravium. Et de la petite pierre aussi. Parfait. Ça sert à quoi l'antigravium? Ok, c'est la monnaie en fait.
300. Ah, c'est la monnaie du jeu. J'avais pas compris en fait. Quand il me parlait de pierre verte, c'était ça. Hein. D'accord, qu'il y a une créature de l'enfer là. C'est un petit insecte normal ça. Ok, il y a du loot. Lost Friend. Ah, bah j'ai trouvé la quête du mec. Et il est mort, hein. L'autre, il avait dit non, non, ça risque pas qu'il meure. Ouais, bah il est un peu décédé quand même. Encore une pelle qu'on pourra revendre. Ça là. Oh, c'est un nouveau gun. Alors attendez. Il s'en est équipé tout seul. Rusty Free Barrel Bangbok. Niveau 3. Non, niveau 3, c'est moi. Pourquoi il s'en est équipé de suite? 12-16. 16-21, mon gun est mieux quand même. Bon, il y a plus de précision. Ça utilise quoi comme munition? Du 22. Du 22, j'en ai quasiment pas. Ouais, donc en fait, tu vas te calmer de suite, mon gars. Tu reprends ton arme normale avec celle-ci. Le couteau, le coutal. Du coup, on peut aller rendre la quête. Par contre, j'ai toujours pas trouvé le chemin. Mince, pour la ville. Alors, le chemin pour la ville, ça doit passer par le campement des esclavagistes, là. J'ai l'impression, du coup. On va aller rendre cette quête. Son pote, il est décédé. Du coup, t'as quand même du bol, c'est nous qui t'avons nourri. Alors. À propos de ton ami. Je peux pas la valider? Alors, on va vendre tout ça. On va vendre... On va vendre ça. Non! J'ai acheté. Ah, je suis un idiot. J'ai claqué du pognon pour rien. Super. Super. Incroyable. Du cuir. Quand on perd de l'argent, quoi. Très bien. Par contre, je comprends pas comment valider la quête. J.
Alors Daily Braid, c'est pareil, hein. Ok, la quête n'était pas finie. Il m'a donné deux recettes. Faut que je farm, faut que je crafte en fait deux portions de viande là et deux jus de melon. Et là, trouver les, je sais pas quoi, d'abori et examiner la carte trouvée. Comment ça, examiner la carte trouvée? Je trouve une carte? Ah oui. Ok. Quête mise à jour. Ah, dites à Rustix, son ami est mort. Oula, la caméra. About your friend. Mauvaise nouvelle. Il est mort. Quoi? Le danger est plein de désert. De danger. Le désert est plein de dangers. Le danger est plein de désert, ça marche aussi, hein. Rusty a besoin de plus d'aide. Ok, il va falloir que j'aille chercher moi-même les trucs, c'est ça? Il nous récompense quand même avec de l'argent et je sais pas quoi d'autre. Ok, ça j'ai pas. Très bien. Donc il faut que je trouve 3 stashes with scratches map. Dig them up and bring loot. Ah! Il va me falloir les pelles. Ah, que j'ai revendu. Quel enfer. Donc il tue les créatures, mais il les loot pas, hein. Ok, donc on est passé niveau 4. Il y a encore un mec là. Ok. Alors, avec la carte. Donc il y a plein de trucs d'indiquer. On pourrait aller voir celui-là en premier là. Je suis plus ou moins orienté dans la bonne direction. Ah oui, il y a une créature de l'enfer. J'ai un peu loupé mon tir. Toi, t'es un peu buggé aussi. Alors, map. Sur ma gauche. Ce serait ça, là. Ok, on en a un. Ensuite. On a potentiellement ici. Est-ce que j'y suis? Non, j'y suis pas vraiment. Ce serait... Ah, y a un point d'interrogation, hein. Ça aide pas des masses, mais... Peut-être ici? J'avoue, je sais pas quoi faire avec ça. Ah, c'est peut-être là qu'il me faut une pelle. Haha. Pelle que j'ai vendue. J'ai vendu toutes les pelles. Je n'ai pas de pelle. Sinon, on peut avoir un truc là derrière le vaisseau. Peut-être trouver les 3 scrap métal sans pelle, hein, c'est possible. Ouais, donc il faut aller bien par là.
Ouais, j'y suis presque. Il y a ça à farmer déjà. Ok. Par contre, s'il y a un truc à trouver ici, j'avoue, je vois pas. Ah, je suis dessus en plus, hein. Bon. Ensuite, on a carrément de l'autre côté ici. On a un point d'interrogation ici, un triangle ici. Alors, ça veut tout et rien dire. Donc, je peux partir par là. Ouais, il faut être niveau 5. Ah ouais. Niveau 5 en crochetage, c'est pas gagné. Donc il faut... Ah, il faut que je passe là-haut. Apparemment. Et c'est tout au bout. Ce serait à peu près ici. J'avoue que c'est galère à trouver leur truc. Alors s'il faut l'appel, c'est sûr que ça va pas aider, hein. Si le premier j'ai pu l'avoir juste comme ça. Mais que les suivants il faut déterrer. Effectivement, on va avoir un problème. Parce que là, sauvegarder. On va le tenter à la main. J'ai sauvegardé avant. On va quand même retenter à la main. Parce qu'à chaque fois que je suis mort sur ces créatures, le problème c'est que... j'ai loupé mon premier coup. Donc du coup, c'est eux qui ont tapé les premiers. Et forcément, ça aide pas. Je suis caché, tu me vois pas. Il se retourne, je suis tellement mort. Ben voilà, ça passe quand on arrive à taper le premier. On fait tellement plus de dégâts au corps à corps qu'avec l'arme à distance en fait que... Bon, par contre, j'avoue que... Trouver des scratches là comme il demande au niveau de la quête. J'y arrive pas des masses, hein. On en trouver 3, ok, mais ah, c'est droit devant moi. Logiquement, c'est ici. Ah là. Ah, mais il me faut la pelle, effectivement. Ok. J'avais pas vu la motte de terre. Bon, bah, allons acheter une pelle, hein. Pas trop le choix. Puis on finira là-dessus, comme ça. On va être bien.
Voilà pourquoi on trouvait tant de pelles aussi à droite à gauche. Je comprends mieux. Alors, acheter. Pelle. Alors, j'en veux qu'une. Hein. Calme-toi. Ok, on y retourne. Je suis toujours un humain stupide hein, pour lui, que par contre. Mais bon. Alors le, je sais pas si vous avez remarqué, le pistolet attaché à ma ceinture, il flotte, hein. Il est attaché à rien du tout. C'est assez drôle pour être souligné. Sac avec Scrabble portrait. Cool. Donc ça c'est fait. Ensuite on a ici et ici. Donc ici ça doit être le camp. Ici il y a un point d'interrogation. Donc faudrait que j'aille de l'autre côté. Alors attention. Créature de l'enfer incoming peut-être. Ou pas. Et donc ici c'est de l'autre côté. Là, il y a un truc enterré. Allez, la pelle est vraiment utile en fait, hein. Alors, ok, il y a un coffre. J'ai aucune interaction avec. Super. Et le point d'interrogation sur la map, c'est ça en fait. C'est un cadavre. Et une broken overbike. Il faut être technicien niveau E pour l'examiner. Je n'ai pas, bien sûr, cette maîtrise. Ensuite, ici, il y a un triangle. Mais ça doit être le campement. Oui, c'est totalement ça. Ça, je m'en fiche un peu. Et donc, il nous resterait, les loulous, bah ça, en fait. Donc, faut que je retourne au vaisseau. Faut que je passe derrière. Et il devait y avoir une motte de terre à déterrer. Oh. On peut dormir. La viande. OK. Ok, la grotte de l'enfer. C'est la grotte de l'enfer. On va passer par l'intérieur du vaisseau. Et donc c'est ici à droite qui est censé y avoir quelque chose à déterrer.
truc, c'est que je l'ai pas vu tout à l'heure. C'est un peu ça le problème. C'est que ça me dit ici, mais... Là, ce sera à ma gauche. Moi, je veux bien, mais... Mais je ne vois rien. Donc on va s'arrêter là-dessus, les loulous. C'est dommage. J'aurais bien voulu finir le dernier objectif. Il nous en manquait un. Mais je vois pas le truc. Et là, si je me mets là... Ah, je suis dessus, hein. Je suis dessus, mais... J'ai pas d'interaction. Quand je scanne, il n'y a rien. Ok. Eh bien, écoutez, on en a fini avec ce deuxième épisode de découverte sur Exoplanet First Contact. Franchement, le jeu est plutôt plaisant. Voilà, petit action RPG avec du farm et du craft, des quêtes. Bon, franchement, ça fait le café, comme on dit. Ça fait le taf. Plutôt cool. Donc, j'attends vos retours de commentaires sur ce deuxième épisode et puis bah, sur le jeu en lui-même. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse là-dessus, les loulous. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.